Bon, nous sommes arrivés à 21h10. C'est l'heure attendue pour beaucoup, l'heure de Mario Del Monaco. Nous sommes vraiment contents de vous avoir. On ne vous voit que rarement à la télévision. Votre fils est derrière vous. Si jamais vous ne compreniez pas très bien ce que je vous dis, il traduirait, il vous pousserait à l'oreille. Je me dis tout d'abord que je ne parle pas très bien français. Alors, très bien. mon fils qui parle très bien la langue. Vous passez souvent à la télévision? Oh oui, pas en France, mais dans notre part du monde, oui, en Amérique, en Italie. C'est difficile pour un chanteur d'opéra, pour un ténor comme vous, de se produire à la télévision? C'est difficile parce que c'est la question de la salle que c'est différent. Les caméras sont tout près. Et les caméras, on regarde s'il y a un peu de trac, alors on ne sait pas tout de suite. De loin, tout passe. Mais... Puis on ne vous pardonne rien si jamais, par exemple, un petit grain se glisse dans votre gorge. On pardonne plus aux chanteurs de variété. Non, le public, c'est généreux, quelquefois. Mais, vous savez, la voix, ça casse, quelquefois. Oui. Oh, le public, on ne pardonne pas. Bon, ce soir, vous allez chanter au Sole Mio, Pietà Signor de Stradella, Mattinata, et je crois que c'est un grand air sicilien. Il y aura également un air de la Tosca, et vous terminerez avec La mort d'Otello. Oui. Mais tout d'abord, je vais vous demander de rejoindre l'orchestre. Je vous laisse partir. Vous allez commencer avec Payas. Et tout d'abord, je crois qu'il faudrait faire les choses de la manière la plus convenable. Il faudrait peut-être que Pierre Rabat, qui est à la direction de l'orchestre du Grand Échiquier, passe la baguette à Robert Martiglioni, qui accompagnera Mario Del Monaco. Oh, I don't know.
Oh,
Je retiens ce que disait Jean-Pierre Vallès à l'instant. La voix, c'est vraiment le plus bel instrument du monde. Et Claude Nougaro...